Je distinguais la voiture, mais son conducteur avait disparu. Eh oh ! Y a quelqu'un ? Barry ! Non ! Danny ! Vous n'êtes pas ! Pitié ! Qu'est-ce que... Non, pas ça! Je suis désolé! Vous étiez en prison l'autre jour. Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Ça aide à voir plus clair. Ils sont chez les fous. Ça va pas leur manquer. Mais j'ai perdu mon pote Danny. Je l'ai perdu. Il lui est arrivé un truc. C'est plus le même. Et comme dans la suite ratée. D'un très bon film, dans laquelle le meilleur ami devient le méchant. Mais qui a écrit ces conneries d'ailleurs? J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur finira par la tuer, tout comme moi et les habitants de cette ville. Personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Personne ne pourra les arrêter. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre, l'ont utilisée comme appât pour me forcer à continuer. Elles n'ont jamais eu l'intention de la libérer. Mais je vais changer tout ça. Je vais leur échapper. Je fais désormais partie de l'histoire. J'en suis l'un des protagonistes. J'ai pris un risque terrible, mais c'est le seul moyen de sauver Alice. Je serai soumis aux événements de l'histoire, comme n'importe lequel de ces personnages. Pour réussir, l'histoire doit rester crédible. Il doit y avoir des victimes, du danger, du suspense. Dans une histoire d'horreur, le lecteur ne doit pas savoir si le héros va s'en sortir, s'il va survivre. Le héros doit frôler la mort. Je m'écrirai alors une issue. J'ai besoin d'aide, et c'est Zen qui va me l'apporter. Je l'écrirai ainsi.